Après un premier temps d'apprentissage à Montpellier, Marius Michel poursuit sa formation à Paris auprès d'Alexandre Cabanel et de Carolus Duran. Rares sont au XIXe siècle les scènes d'atelier dont les protagonistes sont, comme dans cette scène, exclusivement féminins. Une communiante, son accompagnatrice vêtue de noir et en léger retrait, une femme peintre en robe pervenche, tenant une palette et un pinceau, en train de réaliser le portrait de la communiante. Revendiquant la possibilité de peindre à l'huile comme les hommes, les femmes artistes disposent alors d'ateliers identiques, mais doivent encore se cantonner à une clientèle et à des sujets considérés comme typiquement féminins. Question. Localiser et identifier les différents instruments de musique figurant dans cette composition. Réponse. Quatre instruments se trouvent derrière le groupe des trois personnages. Un piano. Sur le piano est posé un violon. Sur le côté du piano est adossé un violoncelle, tandis qu'à l'arrière est posée une guitare.